Donc moi c'est Sam, je suis un des co-gérants de la structure Angaka. Musher sur le plateau de Veille et donc à Angaka village nordique. On est 5 associés en tous, 2 mushers, donc sur un pôle musher et après on est 3 sur le pôle trappeur. Mais on a une 60aine de chiens, donc il y a 2 meutes hein, réparties entre Cédric et moi-même. Et on propose donc plusieurs activités nordiques. Ça va aller de la balade en chien de traîneau à 30 minutes de prestation, qu'à 1 heure la plus longue balade. Je suis avec Lucky qui est le leader du coup de ma team de chiens. Pour ma part, j'ai 32 chiens. Voilà. Lucky, il est tout jeune, hein. C'est un chien qui a 2 ans. Il est encore en cours de formation en chien de tête. Donc c'est un des chiens, on va dire, le plus important en termes d'attelage. Parce que c'est lui qui va quand même nous ramener en termes de sécurité. Cédric fonctionne exactement de la même manière. Et derrière, on voit justement derrière nous, là, il y a une activité avec des gens qui partent en raquette. Donc ça, c'est le côté trappeur, ces activités en rando hors trace aventure. Chacun fonctionne avec ses chiens. C'est super important parce que on a nos propres relationnels avec les chiens. Hein. C'est très, très, très important d'avoir ce relationnel, voilà, d'avoir ce lien qui va se créer avec le chien. C'est super important. On a une relation de confiance. Alors si on rentre vraiment si on est terre à terre et qu'on rentre dans le vif du sujet, alors c'est sûr que c'est un outil de travail. C'est notre outil de travail. C'est ce qui nous permet de travailler, de gagner notre vie. Mais ça reste du vivant. Et à partir du moment où on travaille avec du vivant, on travaille aussi avec de l'émotionnel. Et c'est super important de respecter chaque chien. Il y a des chiens qui vont pouvoir peut-être galoper 5 à 10 km. D'autres chiens, ils vont pouvoir galoper 20 à 25 km. Là, on va rentrer aussi sur la génétique du chien. La génétique, elle est très importante. Là, les 3/4 des chiens que j'ai, moi, je travaille avec des Alaskan Husky. On a 2 types d'Alaskan, soit l'Alaskan typé donc nordique, soit l'Alaskan typé chasse, des chiens de traîneau. Voilà, il y a plein de races, plein de lignées différentes. On peut aller du Malamute, du Samoyède, de l'Esquimau du Groenland, ou le chien le plus connu aussi, on a le Sibérien, le Husky de Sibérie, qui est un peu même la carte postale, j'ai envie de dire, du monde du chien de traîneau, hein, tout simplement. Mais c'est pas que ça. Ce chien-là qui va parcourir des kilomètres. Et même, je dirais, même plus loin que... Aujourd'hui, 80% de la population mondiale de chiens de traîneau, on se retrouve sur des Alaskan. Lucky, c'est l'exemple parfait d'un Alaskan typé nordique. C'est vraiment un chien, super chien, très à l'écoute, moins fugueur, un vrai relationnel aussi. Il y a moins ce côté nordique primitif et il y a un vrai relationnel qui s'instaure avec son coach. Comme je dis souvent, on est des coachs, hein. On n'est pas des patrons pour les chiens, on n'est pas des maîtres, on est juste leur coach. Parce que on va gérer l'alimentation qui est très importante en saison, surtout en hiver. Gérer les entraînements avant la saison. À partir de septembre, on va commencer à entraîner les chiens. On a la chance ici sur Beille d'avoir un site qui est super magnifique. Hein. En Ariège, on a l'habitude de l'appeler la petite Scandinavie ariégeoise. On assure normalement en termes d'enneigement dans des bonnes conditions. Et si on n'a pas de neige, on arrive à maintenir les activités en faisant du canicart. Donc si on le schématise à un traîneau, c'est ni plus ni moins un traîneau avec des roues. Plus de chiens, voilà, parce qu'il faut quand même plus de puissance, il y a plus de force en termes de traction. Mais voilà, on peut quand même assurer nos activités de ce côté-là. Et on a 2 pistes sur le site de Beille. On a la piste d'Artaran, ça s'appelle. C'est une boucle, si on la fait complète, on est à peu près à 5 km. Et après, on a la piste Gériès, qui est versant nord en fait, de la montagne, qui assure un peu plus d'enneigement et qui permet aussi d'assurer les prestations. Pour vous expliquer un peu une journée type avec les chiens, parce qu'on travaille avec du vivant, hein, donc il y a un respect du bien-être animal avant tout. Et comme je disais tout à l'heure, on est des côtes. Si on va le comparer à une saison en hiver, voilà, en plein hiver, c'est vraiment le plus gros de l'année où on va travailler avec les chiens. Souvent, on démarre à 5h du matin. On va commencer par leur donner déjà une petite soupe. Donc on appelle ça, nous, une soupe d'hydratation. Il peut y avoir du curcuma, il peut y avoir de la spiruline, il peut y avoir du gras de canard. Il peut y avoir une croquette qui est spécifique avec Royal Canin, on appelle ça de la 4008. Donc c'est une croquette très riche, très appétante pour le chien. Et on peut y rajouter aussi de l'huile de morue, du gras de canard, enfin voilà, tout ça, c'est macéré dans l'eau chaude. Et moi, pour un ratio sur 30 de chiens, je fais à peu près 20 litres de soupe. Voilà. Donc le matin, ils ont une soupe, à 7h ou plus tard, 7h30, ils auront la soupe pour un départ en traîneau à 10h. Donc c'est super important, et pour le chien, et pour le respect du chien, déjà de la donner au moins 2h avant le départ en traîneau. Parce que le chien, en fait, tout simplement, après, derrière, il peut risquer déjà une torsion d'estomac, des retournements, des dilatations. Le midi, pareil, hein, on va lui redonner une soupe. Le matin et le midi, souvent, on fait 4 prestations, 5 maximum. Ça fait à peu près entre 2h et 2h30 d'activité avec les chiens. On ne va pas les mettre dans le rouge, on fait attention. Parce qu'il y a des chiens qui sont beaucoup plus vaillants que d'autres, beaucoup meilleurs au niveau génétique. Lucky, c'est un chien, enfin c'est
mental en béton et un chien qui peut faire des kilomètres et des kilomètres si on l'a bien entraîné et bien hydraté et bien nourri. Et d'autres chiens, ben, ça va être un peu le matin, pas trop l'après-midi. Voilà. Donc le midi, ben, quand on fait la pause, les chiens pareil, hein, que ce soit les miens ou ceux de Cédric, on repart sur une soupe pour les réhydrater. Là, ils ont 2h30 de pause. À 13h, on fait une visite au cœur de la meute. Donc là, c'est une présentation des chiens, de toute l'équipe du cheptel, de leur enclos. Enfin voilà, on voit un peu où les chiens vivent, leur milieu de vie, la manière dont nous, on va travailler avec eux. Parce que ben, on a un relationnel quand même qui est assez fort avec les chiens. Et c'est super important. Moi, ce métier, je le fais aujourd'hui par passion. Et pour le relationnel, travailler en extérieur, travailler avec les animaux. J'ai souvent tendance à dire, c'est qu'un chien, il ment pas. Voilà. Et aujourd'hui, si un chien, il veut aller travailler, il va aller travailler. Même des fois, c'est même à nous de venir et à essayer de déceler la douleur ou la souffrance qu'il peut y avoir s'il y a une blessure qu'on ne le voit pas forcément. Parce qu'un chien, il a des capacités et une résistance à la douleur que nous, on serait déjà à l'arrêt, en fait. Donc c'est là aussi l'importance de bien connaître ses chiens. Et l'après-midi, bah pareil, on repart, 4 à 5 prestations. Alors quand on parle de prestations, c'est une demi-heure, hein, c'est des balades d'une demi-heure ou d'une heure, voilà, ça va dépendre. Donc jusqu'à 16h30 ou 17h. Et ensuite, pareil, hein, retour au parc. Là, ils ont une nouvelle soupe pour réhydrater un peu, avec pour ma part un peu plus de croquettes, là, du 4008. Ensuite, ils ont le repas. On appelle ça le repas solide. Donc soit de la croquette, on revient sur ça, soit de la truite, du poulet, de la viande. Voilà, tout ce qui a un apport énergétique très bon, protéines, glucides, enfin du gras. Il faut énormément aussi de gras pour les chiens, c'est super important. Et ensuite la phase de repos. Donc quand on accumule ben, toute cette journée, pour un musher, je pense qu'on est en moyenne entre 12 et 14 heures de travail en pleine saison. Voilà, journalier, c'est du 7 jours sur 7, hein, on est agricole, on travaille avec du vivant. Et les chiens, ils vont être entre 5 et 6 heures à peu près de travail. Voilà, en moyenne, c'est ça. Les chiens nordiques, hein, et j'accentue bien sur le chien nordique, mais ils ont une résistance au froid où ben, c'est inégal à même déjà à l'échelle humaine. Hein. Certaines races nordiques, ils ont quasiment eh ben, 3 poils. Hein. Ils ont le poil de jarre qu'on voit ici. En dessous, ils vont y avoir un sous-poil. Et si on le compare même à l'échelle humaine, c'est comme si nous on avait un manteau. Là, on a le Gore-Tex, le poil de jarre. Hop, on lève un peu le poil. On arrive sur un poil intermédiaire et si on le reschématise à l'échelle humaine, ben, c'est le polaire qui est en dessous. Et après, un troisième sous-poil. Voilà. Qui va vraiment tenir le maintien au chaud. Et certains chiens, comme le Samoyed ou l'Esquimau du Groenland, en termes de résistance au froid, on va être jusqu'à du moins 40, moins 45 degrés sans problème. Enfin, sans problème. Ils vont résister à partir de ce degré-là, mais ils ont une résistance au froid qui est incroyable. Et c'est ce qui fait aussi leur force. Hein. C'est des chiens, même on le voit hein, au parc à chiens, quand il y a des tempêtes de neige qui font, bon, ça arrive sur Baye, moins de 10, moins de 15 degrés. La niche, j'ai envie de dire, c'est presque un réconfort pour l'humain en termes de besoins psychologiques et que le chien, il est à l'extérieur. Et il va dormir en boule dans la neige, la truffe dans la queue. Donc bienvenue au village d'Angaka, au village nordique. Nous sommes à 1800 mètres et nous recevons les gens pour faire du chien traîneau, du traîneau à cheval, des raquettes, du igloo et passer des nuits avec nous dans les habitats nordiques. Notre but ce n'est pas d'accueillir les gens, je veux dire faire de l'hébergement, c'est de faire de l'activité. L'hébergement est lié à l'activité. Donc que ce soit accompagnateur en raquette, que ce soit faire des igloos, que ce soit faire du chien traîneau ou depuis 12 ans on fait du cheval. Donc traîneau à cheval et ski jouring. Alors ski jouring, je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'on a une piste pour le cheval ici qui fait à peu près 1 km avec des virages où on fait avec le traîneau. Et Isabelle a un diplôme qui lui permet de mener le cheval, c'est le cheval qui est devant. Et on est accroché derrière avec une sorte de brancard et on fait du ski. Voilà, c'est le cheval qui tire. Il n'y a personne sur le cheval, il n'y a pas un cavalier sur le cheval. C'est-à-dire que c'est la personne qui est derrière qui dirige. Donc on a des manettes avec les guides. C'est nous qu'on dit à droite, à gauche. C'est très, très joueur, quoi. Et
Le circuit est très tortueux, donc ça s'y prête beaucoup, quoi. Voilà, très joueur. C'est une activité assez particulière et on est parmi dans les Pyrénées. Que ce soit au niveau du traîneau, à cheval ou du ski jouring, on est les seuls à faire ça régulièrement sur les Pyrénées, quoi. Voilà, parce qu'on a une condition de travail qui le permet. Alors le soir on fait, donc on est toujours sur ces activités, les gens viennent dormir, mais on fait des sorties raquettes le soir, nocturnes, j'en ai fait une hier soir. Et on va se balader dans la forêt, on regarde les étoiles, ça dure une heure à peu près. Après on fait un petit, on sert un petit vin chaud entre nous, ou un jus de fruits. Et après les gens ils sont autonomes, ils s'installent soit dans les arbitats, soit dans la cabane que nous avons, qui est la cabane qui sert à manger tous ensemble. Parfois, on fait danser les gens sur la neige, oui. On sort l'accordéon, c'est danse avec tes moufles. On s'amuse bien, quoi. On fait des danses trad, quoi. Des danses traditionnelles du coin. Et on apprend aux gens à danser. Ça dure une demi-heure, parce qu'il fait très froid, quand même. Mais c'est rigolo, c'est un partage par la musique. Parfois, on parle, les gens, beaucoup. Parfois, on les fait danser. Alors là, on est ouvert l'hiver. C'est là, on est ouvert de début décembre aux vacances de Pâques. Pour l'hébergement et ensuite et les activités. Et l'été, en fait, on rouvre depuis 7-8 ans. On est sur le GR10, en fait, sur le sentier de grande randonnée. On fait l'hébergement des randonneurs parce qu'il manquait un refuge, justement. Et on ouvre, mais le fait d'ouvrir aux randonneurs, on ouvre aussi pour d'autres personnes qui viennent en séjour. Ils font là, ils font des activités, souvent cheval, parce qu'on active des chevals, ou marche avec des chiens, voilà, avec les chiens ou des cartes. Eh bien, on espère vous voir nombreux venir nous voir et partager avec nous nos activités et partager la nature. Donc bonjour, nous on est la maison de la Cube, hein, on est agriculteur, on est éleveur dans cette vallée de la Haute-Ariège. Et après une activité intense en sensation, en émotion, vous pouvez venir sur le restaurant du plateau de Beille, sur le snack fermier. Voilà, manger un bon morceau, burger fermier, grillade, passer un bon moment en famille, boire un chocolat chaud, une belle bière artisanale. On est là pour vous faire plaisir toute l'année avec les produits de notre ferme et des autres collègues agriculteurs et artisans ariégeois. On a parlé beaucoup d'animaux, de chiens, de chevaux, du village. Et derrière toute cette partie, il y a la partie humain. Et le cœur de Hangaka, il est ici. On a Clémence qui est ici, Sylvie qui est ici, qui sont donc les secrétaires d'Hangaka. Et c'est là où on va gérer, en fait, ils vont gérer plutôt toute la partie réservation, planning, accueil clientèle dans le bâtiment. On a aussi un site internet sur www.hangaka.com où il y a des possibilités de réservation en ligne sur certaines activités. Et voilà, hein, Clément, je ne sais pas si tu veux dire deux mots sur tout ça, mais... Réservation par téléphone ou par mail ou via notre site internet. Et sinon, pour visite au cœur de la Meute, atelier igloo et raquette, réservation également possible en ligne directement sur le site internet. Ah, pas mal. Et Sylvie, qui gère aussi toute la partie Reza, tout ça. Voilà, la télé. Voilà.